Bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel et Fluffy, on vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 64 de notre aventure de la saison 5 du coup de Frigiel Fluffy. Toujours en train de construire notre petit village, nous avions d'ailleurs lancé une construction dans l'épisode précédent, nous avions lancé le poulailler et je vous annonce que ce bâtiment est bel et bien terminé et attention, le voici, c'est donc une jolie petite maison dans laquelle on va pouvoir élever des animaux, nos premiers animaux du coup qui vont rejoindre notre village, on va pouvoir avoir notre petit élevage de poulets qui vont probablement produire des œufs. On va regarder ça juste après, puisque là, je voulais me concentrer un petit peu sur vos commentaires, et notamment un commentaire qui traîne sur mon bureau là depuis quelques temps que je m'étais gardé de côté, puisqu'il était très intéressant, c'était le commentaire de Rififi qui m'expliquait 2-3 petites choses, notamment en premier, qui me donnait le nom en fait du mode qui me forçait à varier mon alimentation, puisque malheureusement à force de manger une seule et même type de nourriture, eh bien l'efficacité de cette nourriture est réduite, donc là par exemple je gagne qu'un seul gigot en mangeant du porc tout simplement cuit, donc il faut que je varie, il faut que je mange des framboises et d'autres aliments à côté. Et donc le nom de ce mode d'après Rififi c'est The Spice of Life, qui ajoute un petit peu plus de complexité du coup à la nourriture et nous force à varier notre alimentation. Donc ça c'était intéressant comme information, et il m'expliquait également que j'avais vu en vente du coup des pistolets dans la boutique principale, dans cette grande boutique ici, des sortes d'armes à feu, et en fait visiblement ces pistolets viennent du mode psy, et ce seraient en fait des baguettes magiques. Alors je sais pas quel est le pouvoir de ces objets là, mais maintenant que j'ai le nom du mode, je vais pouvoir me renseigner et regarder un petit peu du coup ce qu'on peut faire avec ces fameuses baguettes. Donc j'avais également adopté 2 petits chiens, pour l'instant je sais pas exactement ce que je vais en faire, en tout cas ils sont toujours là, et nous allons donc bien entendu voir notre nouveau bâtiment, notre poulailler, et la personne qui s'en occupe, il y a toujours du coup de nouveaux villageois à l'intérieur. Donc là c'est le Foxy Fall, ouvert du coup tous les jours de 5h à 11h. 11h du soir, je sais pas, ou alors c'est ouvert que le matin, c'est un peu étonnant. Bonjour mademoiselle, du coup c'est Ashley visiblement qui s'en occupe, je pensais que ce serait Foxy, enfin je sais pas d'où vient le nom du coup du poulailler. C'est plutôt stylé à l'intérieur, il y a des petits blocs de paille et tout ça, par contre je vois pas de poule, c'est un peu bizarre. Du coup, j'adore cet endroit, n'est-il pas incroyable, Monsieur Renard, Monsieur Fox? Est-ce que c'est moi, Monsieur Fox? Je ne sais pas. J'espère pouvoir rester ici très longtemps. En tout cas, nous dit, bienvenue dans mon poulailler. Mon nom est Ashley. Est-ce que vous savez vous occuper des poulets? Alors, explique-moi tout. Donc, les poulets, vous devez les nourrir, tout simplement, les nourrir tous les jours. Ils produiront comme ça des œufs. Mais si vous ne les nourrissez pas, ils seront malades, elle nous explique. On peut également montrer qu'on aime un poulet en lui faisant un clic droit. Visiblement, en fait, on progresse comme ça en amitié avec nos poulets, tout simplement. Un poulet plus heureux produira de plus gros œufs, donc une meilleure production, plus d'œufs, et à mon avis, des œufs de meilleure qualité. Elle va nous donner également de la nourriture. Si on en veut davantage, on pourra revenir la voir, du coup. Mais alors... Ah bah voilà, j'allais dire, mais où sont les poulets? Mais voici un joli petit poulet. Regardez-moi ça, est-ce qu'il est pas mignon ce petit poulet? Donc voilà, on va le nourrir. Donc j'imagine qu'il avait faim. On va faire un petit clic droit. Ok, il est sur ma tête. Il est sur ma tête, c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'il va pondre un œuf sur ma tête? J'espère pas quand même. Regardez-moi ça. Regardez comme il est mignon là sur ma tête. Est-ce que je peux l'emmener dehors? Il sera heureux a priori. On va prendre l'air avec notre ami poulet. On va l'appeler... Chiki, ce sera Chiki. Chiki le petit poulet, hein, c'est pas très original comme nom, mais c'est plutôt mignon. Donc Chiki le poulet, hein, qui prend l'air du coup tranquillement, et qui j'espère va produire du coup son premier œuf aujourd'hui, ce serait plutôt sympathique, une bonne production d'œufs à prévoir. Chiki qui vient de casser quelque chose, j'ai l'impression, dans le poulailler. Il n'y avait pas une torche ici là? J'ai l'impression qu'il y avait une torche là-dedans, mais visiblement Chiki l'a... Ouais, en effet, Chiki l'a enlevé. Chiki, alors, est-ce que j'ai quelque chose pour remettre les œufs de Chiki quelque part? J'ai pas l'impression, je sais pas s'il va aller les pondre par terre ou pas. En tout cas, visiblement, elle me dit que je me suis bien occupé de Chiki. Alors, comment est-ce qu'on obtient des œufs? Alors, il faut placer un nid, on va appeler ça un nid tout simplement, à côté d'un poulet. Et de temps en temps, du coup, le poulet fera des œufs, tout simplement. Ils feront seulement un œuf par jour. D'accord, c'est quand même important à savoir comme information. Ils ne feront pas d'œufs s'ils n'ont pas été nourris. Et lorsqu'on récolte les œufs, il faut toujours penser à les revendre. Très bien, je vois. Alors, on va poser un nid ici, à l'arrière. Peut-être que j'aurais dû le poser sur le foin, je sais pas. Bon, en tout cas, je pense que le nid est pas trop loin du poulet. Donc, on va attendre un petit peu voir s'il nous fait un œuf. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, sinon? Chicken feed... Vous savez quoi, la nourriture de poulet, on va la laisser là. Et il y a un œuf ici, là-dedans. C'est quoi, ça? Ok, j'ai un peu tout cassé, là. Wheat, du blé. Très bien, une graine de blé. Pourquoi pas, pourquoi pas. Tu vas éviter d'ouvrir la porte, hein, parce que je sens que Chiki va se barrer si on fait ça. C'est pas une très bonne idée. Chiki, tu veux pas pondre un petit œuf, là? Mon petit Chiki? Attendez. Il va forcément pondre un œuf. On est d'accord.
Il est venu juste à côté. Non ? Non, il me fait une feinte. Allez, Chiki, je compte sur toi. Bon, visiblement, je lui mets trop la pression. Je lui mets un petit peu trop la pression, hein, ce Chiki. Oh ! Attendez, j'ai entendu un bruit. Oh ! Ça fonctionne ! Il a vraiment fait un œuf ! Kinder Eggs, les œufs Kinder. Obtenir votre premier œuf. Ah, génial ! Il a fait son œuf. Putain, les feux d'artifice et tout, ça c'est un œuf qui un œuf de qualité, je pense, pour qu'il y ait des feux d'artifice comme ça. Reviens là, attends, mais... Ah, purée, elle est chiante, elle, par contre. Tu voulais pas un œuf, peut-être, toi ? Ouais, elle veut un œuf, j'ai l'impression. Alors, pour votre travail compliqué, tout simplement, je suis très heureux de vous offrir ces œufs rares en échange. Ah, très bien. Donc, vous obtiendrez ce même genre d'œuf si vous arrivez à bien prendre soin de vos poulets. Ok, ça n'a pas l'air trop compliqué, du coup. Il y a également quelque chose que vous devriez savoir. N'hésitez pas à emmener vos poulets donc à l'extérieur lorsqu'il... Non, à l'intérieur lorsqu'il pleut et à l'extérieur lorsqu'il fait beau. D'accord. Et il y a également un incubateur, quelque part, visiblement. Un incubateur qui permet... de, lorsqu'on place un œuf à l'intérieur, au bout de quelques jours, obtenir un poulet. Un poulet qui, visiblement, nous appréciera davantage que si on achetait des poulets. Visiblement, je pense que c'est à elle qu'on peut acheter des poulets. Feeding tray, a priori, c'est pour nourrir, je pense, les poulets. Je sais pas, est-ce que je peux placer de la nourriture à l'intérieur ? Je peux placer la nourriture à l'intérieur, écoutez, très bien. Je suppose que les poulets s'en serviront automatiquement, et du coup, nous avons... deux petits œufs et un œuf large. Donc je pense que les œufs larges, on va en garder un de chaque. Voilà, et puis là on va aller vendre du coup nos premiers œufs que nous avons produits du coup avec Chiki. J'espère que tu passeras une bonne nuit, Chiki, qui pour l'instant est un petit peu seul dans son poulailler. Poulailler assez petit, hein. C'est vrai que je m'attendais, pour moi un poulailler c'est un truc très large avec plein de poulets à l'intérieur. Là je vois mal comment avoir plus de 3-4 poulets, ça va vite devenir le bazar, j'ai l'impression. Donc... on peut bel et bien vendre les œufs, faudra surveiller notre argent du coup, qui est donc indiqué en haut à droite. On va faire nos petites récoltes habituelles, je vais aller arroser toutes les plantes aussi. Je vais faire ça en ellipse, hein, parce qu'on sait que c'est pas forcément le genre de truc que vous appréciez le plus. Parce que j'ai vu certains commentaires, et je suis tout à fait d'accord avec vous, que comme quoi cette partie de la série, j'en avais déjà parlé, est particulièrement calme, et c'est vrai que ça peut même devenir un petit peu redondant. J'ai pas envie de tomber dans ce piège là, donc je préfère faire à la limite beaucoup d'ellipses et vous éviter donc toujours de toujours faire la même chose. Donc là, vu qu'on développe pour la première fois du coup l'élevage d'animaux, c'est déjà un peu plus intéressant. Il va y avoir pas mal de finalement de contraintes autour de ces petits animaux dont il faut s'occuper tous les jours, et j'espère du coup avoir rapidement également accès à la seconde, au second bâtiment qui permettra d'élever des vaches, des moutons, ce genre de choses, des cochons aussi je crois, pour avoir du coup de la production de lait, de laine et ce genre de choses. Je voulais aussi du coup analyser un ou deux trucs avec vous. D'après certains commentaires, ouais, vous voyez, donc l'herbe, en fait, j'ai pas besoin d'arroser l'herbe, visiblement. Rocker Raster, no. Donc c'est vrai que je me cassais la tête à arroser l'herbe alors qu'il n'y en a pas besoin. Autre chose, du coup, ici on a du blé. 27 sur 28 pour celui-là. Donc le blé, je voulais vous en parler parce que normalement dans Minecraft, le blé, vous cassez des blocs d'herbe et vous obtenez des graines de blé, vous les plantez et hop, vous avez du blé. Sauf que là, c'est beaucoup plus compliqué. Salut Jenny. Le problème étant que le blé, vous le savez, j'en ai besoin tout simplement pour fabriquer la friandise de Fluffy, ce qui permet d'améliorer Fluffy. Sauf que du coup, à cause de ce mod, la production de blé est beaucoup plus compliquée. Ça prend 28 jours au lieu de prendre, je sais pas, 2 minutes en mettant des poudres d'os, parce que là, on peut même pas mettre de poudre d'os. Donc c'est un petit peu complexe cette histoire. Ce qui fait que, du coup, peut-être qu'il faudrait que je plante énormément de blé. Et du coup, une partie de ce blé ne servirait pas à la revente, mais à la production, du coup, de friandises pour Fluffy. Donc, déjà, visiblement, c'est pas comme ça que ça se récolte, c'est plutôt avec une houe. Donc là, je viens de perdre un blé. Donc, comme il y a du blé qui est prêt, on va en récolter un petit peu. J'ai l'impression que tous ne sont pas prêts, ceux-là, je vois qu'ils sont pas prêts. Lui, ça se voit qu'il est prêt. Donc, on va récolter un petit peu de blé. Mais je pensais, vous voyez, que je pensais que le blé se replantait... automatiquement derrière, en plus visiblement ce n'est pas le cas. Donc voilà, le blé, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc le plus compliqué à produire et peut-être qui rapporte le moins derrière, je sais pas. J'essaierai de vendre du blé un jour où je vendrai rien d'autre pour analyser un petit peu le prix de vente du blé et voir si la production est intéressante de blé. En tout cas, nous voici du coup avec du blé tout à fait classique, hein, ma foi, qui nous permet de faire du gâteau, du compost. Ah, je sais pas à quoi ça peut servir, du compost, peut-être pour booster du coup la vitesse de croissance de certaines plantes, donc du pain qui peut être intéressant vu qu'il faut que je varie mon alimentation, mais ce serait à mon avis un peu de gaspillage. Et food journal. Ah tiens, on peut essayer de faire un
excusez-moi pour le téléphone. On peut essayer de faire un food journal qui demande une page et un blé. Alors je sais absolument pas ce que c'est. Peut-être que ça va nous donner une liste de toutes les nourritures qui existent actuellement. Et ça, ce serait intéressant. Comme ça, j'aurais plus de possibilités pour fabriquer, enfin cuisiner du coup de nouvelles, de nouvelles nourritures. C'est intéressant, voyons voir. Donc là, cookette pork shop. Ah ok, donc ça me donne une liste de la nourriture que j'ai déjà mangée, j'ai l'impression, ce qui est un petit peu différent. Pourquoi les torches explosent comme ça là? C'est quoi cette histoire? Elles tombent toutes seules. Je sais pas si c'est Fluffy qui fait ça ou si c'est un mode qui fait ça. Bon, en tout cas, notre journal de nourriture, je sais pas trop à quoi il va servir. Je vous avoue que je suis pas très... comment dire, j'ai pas trop compris le principe de lister la nourriture que j'ai déjà moi-même mangée. Est-ce qu'on vend nos tomates? Du coup, on va vendre nos tomates aussi. On va aller se coucher. Et puis quoi, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Et puis là, ben, on va falloir replanter du coup à la place du blé de nouvelles cultures. Et aller voir nos petits poulets. Et donc là, j'ai gagné 1889, enfin j'ai pas gagné 1889, j'ai gagné à peu près 700 d'or avec du coup quelques œufs vendus et quelques tomates, donc ça me paraît assez, assez rentable. Je pense qu'on est plutôt pas mal à ce niveau-là. Je vois qu'il y a une petite tomate qui a poussé aussi entre-temps. Hop, on va aller vendre ça. Et puis donc, il va falloir de nouvelles, tout simplement, de nouvelles graines. Et peut-être agrandir mon champ aussi parce que j'ai l'impression que je ne gagne pas beaucoup d'argent, en tout cas pas très rapidement. Donc voilà, je vais me poser 2-3 petites questions, je vais réfléchir un petit peu à ce qu'on peut faire du coup par la suite, maintenant qu'on a donc construit notre poulailler. Alors, forcément, sur le long terme, notre objectif du coup serait de débloquer maintenant le ranch, donc d'économiser 6000, plus un petit peu de bois bien entendu. Ça c'est notre objectif sur le long terme. Sur le court terme du coup, je sais plus si j'en avais parlé ou pas, il faudrait trouver de la laine pour Fluffy. Le truc étant, je crois que je l'avais pas précisé même si je le savais, en fait dans le monde naturel, et vous l'avez remarqué jusqu'à présent, ne sont générés en animal que des cochons. Donc je ne peux pas trouver de vaches et je ne peux pas trouver, bon les poulpes ça compte pas bien sûr, mais je ne peux pas trouver de moutons non plus à l'état naturel. Je suis obligé de débloquer du coup le ranch pour avoir ces animaux là et donc pour obtenir de la laine. Donc ça c'est une problématique importante tout de même, puisque ça veut dire que je ne peux pas avoir ton petit collier Fluffy tant que je n'ai pas acheté le ranch, tant que je n'ai pas du coup acheté de moutons, hein, je ne pourrais pas débloquer ces moutons voilà, de quelque façon que ce soit autrement qu'avec le ranch. Donc ce qui veut dire que du coup forcément bah, pareil, cet objectif est lié du coup au ranch. Autre objectif du coup un peu plus secondaire, mais il va falloir quand même se poser la question, c'est une nouvelle source de nourriture pour varier un petit peu avec les framboises et le poulet, parce que là ça devient compliqué. Donc en soi, j'ai la rotaine flèche et je pourrais me faire du pain, même si je préfère éviter. Donc, ça, c'est aussi important. Hop, tiens, je me permets d'avoir un petit œuf de poulet au passage. Est-ce que j'ai besoin de re-remplir ça? Je ne sais pas. Est-ce que je peux le nourrir directement? Ok, ouais, ça se re-remplit. C'est parfait, on va prendre aussi notre petit poulet avec nous pour le rendre heureux. Voilà, t'es heureux, super, génial, hop. Maintenant, tu restes ici. Donc voilà, ça avait rien à voir avec mon objectif, mais bon, je m'occupe de mon poulet après tout, hein, le petit Chiki, il faut quand même penser à lui. Donc pour la source de nourriture, j'avais pensé tout simplement à pêcher. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire un petit peu. Il me manque juste une petite table de craft. Bon, tant pis, j'en fais une deuxième, j'ai la flemme de revenir en arrière. Donc nous allons pêcher un peu, les amis. Et ça va me permettre tout simplement de récupérer des poissons. Donc je réfléchissais parce que comme je peux pas avoir de viande de vache, viande de mouton non plus, même si ça existe déjà, je ne peux pas puisque j'ai pas ces animaux là. Comme je peux pas faire pousser quoi que ce soit facilement, eh bien la seule solution c'est tout simplement de pêcher des poissons et de manger des poissons, ou d'avoir des pommes dans les arbres. Je pense que ça aussi j'aurais pu essayer d'avoir des pommes, mais ça me demanderait beaucoup d'endurance à force de casser des arbres et d'essayer de récolter des pommes. Et je crois pas avoir looté de pommes depuis le début, donc je me pose la question d'ailleurs, je me demande même si c'est possible d'avoir des pommes dans les arbres. Avec tout ce qui a changé finalement dans ces modes-là, c'est difficile à savoir. Donc voilà par rapport à la nourriture, donc je vais essayer de pêcher 2-3 petits poissons. Et donc, autre objectif, et ça je pense qu'on va faire ça aujourd'hui là quand j'aurai un petit peu de nourriture, j'aimerais me rendre en fait dans le Nether, tout simplement. Alors c'est un peu ambitieux puisque je n'ai pas encore d'armure en diamant, mais dans les forteresses du Nether, en fait, on pourrait obtenir des trucs intéressants, notamment d'ailleurs ces fameux cœurs là qui me manquent pour avoir de la vie supplémentaire. J'avais lu comme quoi on pouvait les récupérer du coup dans les coffres des forteresses du Nether. Donc ça, ce serait intéressant. Je pense qu'on trouvera peut-être d'autres ressources, d'autres trucs. Alors sur le coup, ça me parlera là tel quel en, comment dire, en y réfléchissant, je sais pas vraiment, mais je suis à peu près sûr qu'on trouvera des trucs intéressants en plus dans le Nether. Alors est-ce que faire des potions, des trucs comme ça, ça me servira? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faudrait bien y aller un jour ou l'autre. Donc ça, c'est aussi prévu finalement dans le plan. Et du coup, je pensais faire ça tout simplement aujourd'hui, puisque c'est vrai que ça fait 2-3 épisodes finalement qui sont assez calmes. Et ce que je ferai du coup dans l'épisode suivant, c'est que j'aurai suffisamment avancé
dans le temps pour avoir assez d'argent pour débloquer du coup le ranch. Et là, on essaiera de se poser la question du coup de ces fameux animaux dont on a besoin du coup pour continuer dans l'aventure, pour être un peu plus à l'aise, parce que là, actuellement, c'est voilà, côté nourriture, c'est un peu compliqué. Puis je préfère me rendre dans le Nether maintenant plutôt que une fois que j'aurai 20 milliards d'animaux à m'occuper, et que du coup forcément ce sera plus compliqué puisque je serai forcé de les nourrir, ce genre de choses. Donc je préfère faire les choses finalement dans cet ordre là tout simplement. Je suis pas sûr de pouvoir manger le pufferfish. Non, là sinon je vois que j'ai du saumon. Je sais plus si ça se fait cuire ou pas, ce poisson là. Et voilà, parfait. Côté poisson, je pense qu'on est bon avec cette petite musique qui se lance en plus derrière. Donc, je réfléchissais un petit peu à notre plan d'action. Avant de partir du coup dans le Nether, il va nous falloir déjà de l'obsidienne, donc il va falloir une pioche en diamant. C'est ce que je vais faire, mais surtout, il faudrait que je replante ici des petites graines. Donc je réfléchissais à ce que je pouvais faire par rapport à ça. Et je pense que la solution est tout simplement, vu que la boutique est fermée actuellement, de donner 5 fleurs du coup à notre ami dans la boutique du charpentier. Toc, donc les voici, elles étaient là, je savais que j'en avais. Et du coup, avec ces 5 fleurs, je devrais obtenir en récompense du coup des petites graines pour replanter tout ça avant de partir du coup à la recherche d'obsidienne. Voilà globalement ce qui est prévu, les amis. Donc allons chercher du coup ces graines, on va planter tout ça, et pour l'obsidienne bien entendu nous irons en fait non, on ira pas très loin, j'allais dire on ira dans les grottes, mais finalement il y a un petit lac de lave à côté de chez moi, donc il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Donc ah, qu'est-ce qu'elle me dit? I can't get really thick in my house, no mushroom, move over. Ok, pourquoi tu me donnes pas des graines? Normalement elle est censée me donner des graines quand on lui donne 5 fleurs, donc là j'ai un petit doute. Je comprends pas pourquoi elle ne le fait pas. Par contre, il y a des trucs qui m'intéressent ici, en fait, maintenant que j'y pense. Il y a la nourriture un peu plus variée, des trucs comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool aussi, vu que je cherchais une source de nourriture variée. Bon, les graines, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Normalement, c'est censé fonctionner, donc c'est pas très grave. Tant pis. Au pire, on replantera ça, du coup, demain, lorsque les nouvelles, lorsque la boutique sera de nouveau ouverte. Donc là, on a de la bonne nourriture, plutôt cool. On a du bœuf aussi, donc ça, ça va être génial. Du coup, pour varier un petit peu notre alimentation. Le pufferfish, est-ce que je peux le faire chauffer? Non, je ne peux pas. En plus, c'est empoisonné, donc je vais pas en manger. Très mauvaise idée. Donc, nous allons manger, du coup, du poisson. Ok, ça me paraît pas mal. Là, j'en ai 3. Ah, et là, ma nourriture, putain, ça remonte à fond. Ça fait plaisir. Oh là là, ça fait plaisir. Et du coup, maintenant... Ah, voilà. Maintenant, si je mange des framboises, regardez, 50% d'efficacité. C'est beaucoup mieux. Donc, il y a du progrès. Il y a du progrès. C'est plutôt cool. J'ai aussi ça aussi, là, qui sera sûrement ma nourriture la plus efficace, vu que je n'ai jamais mangé de steak encore jusqu'à présent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'on va se faire un petit pain aussi. Voilà, pour varier notre alimentation. Encore un petit succès au passage. Le blé, qu'on va garder de côté. Voilà, je sais pas si je m'en servirai pour Fluffy ou si je le revendrai, donc pour l'instant, je préfère garder le blé de côté. Les outils, on dépose, vu qu'on va partir du coup à l'aventure. La pioche en diamant. Alors, j'avais des diamants, donc on va fabriquer ça tout de suite. Je vois que j'ai du fil sur moi aussi qu'on va déposer. La petite pioche, la voici. Toc, pour récupérer du coup de l'obsidienne. Donc très très bien également. L'arrosoir et la loupe, on laisse ça pareil. On n'a pas envie de perdre tout ça. Et là, mon coffre commence à être un petit peu rempli, hein, j'ai l'impression. Il commence à y avoir beaucoup de choses là-dedans. Il va me falloir aussi un petit peu d'eau. Je vois ça, donc il me reste une bouteille d'eau. Faut que je me refasse un peu d'eau. Donc il me fallait du charbon et des feuilles de papier. Il me semble... Donc je vais me refaire quelques feuilles de papier. Heureusement, je continue du coup ma culture de canne à sucre. Donc là-dessus, tout va bien. Le charbon, par contre, c'était du charbon de bois. Donc on va refaire chauffer un petit peu de... Alors ça, c'est du bois spécial. J'ai pas de bois classique. Si, il me reste encore 22. Donc tout va bien. Donc on va faire chauffer un petit peu de charbon de bois. Voilà, donc on se fabriquera des filtres avec. Du coup, ça, on va le garder sur nous. Donc des filtres, ce qui veut dire qu'il faut que j'aille remplir mes bouteilles d'eau. Donc ça demande beaucoup de préparation, hein, tout ça, hein. C'est pas juste, ah bah tiens, je vais aller dans le Nether. Non, là c'est vraiment beaucoup de préparation. De l'eau, de la nourriture, de l'eau propre bien entendu, vu que l'eau risque de réduire d'ailleurs assez vite en plus dans le Nether. Donc là-bas je n'aurai pas accès à de sources d'eau. Faudrait quand même que je fasse attention par rapport à ça. Donc il me faut un bon petit stock finalement. Je vais remonter toute ma soif et je partirai en plus avec un stock d'eau derrière, supplémentaire. Voilà, du coup on a de l'eau, on va boire tout ça. Ok, donc là je suis au max, donc c'est parfait. C'est déjà la nuit, c'est 22h, mais attendez, mais à quel moment le temps est passé aussi vite? Putain, c'est incroyable, tellement de choses à faire dans le jeu que... ouais, non, vraiment le temps passe beaucoup trop vite.
Mais je sais pas, à la limite, je me dis qu'il y a eu un saut dans le temps, là, c'est trop bizarre. Ou alors je vois pas le temps passer, tout simplement. Tant mieux, parce qu'en général, ça veut dire qu'on s'amuse lorsqu'on ne voit pas le temps passer. Du coup, j'ai fait encore trois petits filtres qu'on va utiliser pour un petit peu plus de stock d'eau, comme je l'expliquais, pour ne pas partir les mains vides dans le nether. Voilà, il me restera 5 bouteilles d'eau sur moi, c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il nous manque plus que la récolte d'obsidienne, et ensuite, on ouvrira le portail. Il faut quand même que je fabrique un... maintenant que j'y pense, un briquet. Voilà, j'ai mon gravier, je me fais du coup le briquet. Hop, que voici, que voilà. Et nous sommes donc bons, nous avons tout ce qu'il nous faut pour partir, sauf l'obsidienne bien sûr, que je n'ai pas encore récupéré. Donc je vais juste vérifier, pareil, la récolte du jour au niveau des œufs qui n'a pas encore débuté. Où est Chiki ? Chiki est là, Chiki, tout va bien pour lui. Donc bon, aujourd'hui il va rester tranquillement du coup à l'intérieur. Je sais pas combien de temps il faut que Chiki reste à l'extérieur pour what the fuck, pour finalement qu'il soit heureux. Donc vu que j'ai pas trop voilà, j'ai pas trop la patience pour l'instant, j'ai envie d'aller dans le Nether comme je l'expliquais. Veux-tu bien tomber? Il résiste celui-là dans la lave. Oui, j'ai réussi. Parfait. Allez hop, bon débarras pour le creeper, le seau d'eau et l'obsidienne du coup. On est parti, alors je pense commencer par un bord, plutôt par ici. On va garder un petit peu de lave, on sait jamais, je sais pas, ça peut peut-être servir. Ça arrive de temps en temps qu'on se dise, ah bah tiens, bah si j'avais de la lave, je sais pas, pour alimenter les fours, des trucs comme ça, ça peut servir. Donc je préfère encore en garder un petit peu à côté du village, j'espère juste que le village ne prendra pas feu à cause de la lave, ce serait quand même dommage. Je regretterais un petit peu mon choix. Voilà, du coup l'obsidienne est récupérée, je vais pouvoir placer ça ici. Alors je vais faire une sorte de petite grotte finalement qui servira donc de passage au Nether, ça me paraît pas mal de cette façon là. Je décorerai ça du coup par la suite, mais je trouve ça plutôt intéressant de mettre en fait le portail du Nether dans une grotte. C'est vrai que ça fait un peu lugubre finalement de le poser à l'extérieur, et vu qu'on est sur un joli petit village, voilà, il est un petit peu caché finalement à l'intérieur. Voici donc le portail, du coup, il va falloir que je passe en premier et que je revienne chercher Fluffy. On va aller jeter un petit coup d'œil, du coup, au Nether, voir ce qui a changé. J'espère que ce sera pas une destination trop dangereuse, et j'espère aussi atterrir non loin, si possible, d'une forteresse, qui est vraiment notre objectif, pour l'instant, principal dans le Nether. Et nous y voici. We need to go deeper. Avec, waouh, avec beaucoup de nouvelles choses, j'ai l'impression. Dans ce Nether, de nouveaux minerais aussi, on dirait. Hop, 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 hop. Et... Ouah, de nouveaux ennemis. Je suis tombé. Également... Oh purée, c'est quoi ce truc? Un fantôme. Regardez les yeux de ce fantôme. C'est quoi cet enfer? Ok. Et j'ai tous mes cœurs ici dans le Nether. Enfin, je sais pas. Non, peut-être pas. Je sais pas, j'ai un doute. Oh, tiens, les fantômes qui nous attaquent à peine arrivés. Bonjour l'accueil, hein. On a connu mieux. On a connu mieux comme accueil. Oh, quand en plus on entend des bruits de ghast et tout. Ok, bon. Alors, déjà, première chose. Je vois que ma nourriture a baissé. Donc déjà, attendez, on va manger un petit pain. On va essayer de remonter la nourriture. On va voir si ça fait remonter tous nos cœurs ou pas. J'ai pas encore les cœurs au maximum. 40%, 40%. Ah, on va manger de la framboise. Oh, 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 non, 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 portail! Ne casse pas mon portail, toi! Attends, est-ce que je peux essayer de le tuer d'une façon ou d'une autre? Si je peux y arriver, ce serait quand même plutôt stylé. À peine arrivé dans les heures, si j'arrive à avoir le succès. Oh, genre, ça l'a pas touché. Le succès avec le ghast. Attends, j'essaie de me rapprocher. Je vais essayer de l'avoir, celui-là. Putain, mon portail, c'était limite. Bon, de toute façon, au pire, j'ai un briquet pour le réparer, mais si je pouvais l'affronter. Et j'ai l'impression que mon maker sont bel et bien limités. Ouah, mais il y a vraiment des choses ultra stylées ici. Allez, toi je t'aurai, oui, on a eu le succès. Ok, parfait. Waouh. Je suis tout joyeux, mais en fait là le Nether a l'air tellement tellement différent du Nether qu'on connaît que je suis un petit peu flippé. Bon, de toute façon, je pense que je ne vais pas, et là beaucoup de suspense et beaucoup de déçus j'imagine, je ne vais pas explorer le Nether dans cet épisode, puisque du coup on a quand même pas mal progressé aujourd'hui. Je voulais surtout en débloquer l'accès, voir si c'était une zone où je pouvais survivre, et apparemment c'est le cas, même si j'ai seulement 5 cœurs, donc ça se confirme bel et bien, hein. Il n'y a pas l'effet comme quoi j'ai perdu mes cœurs supplémentaires, mais il faudra bel et bien trouver une forteresse pour les récupérer, ces fameux cœurs, et c'est ce qu'on fera du coup dans l'épisode suivant. Voilà, pour l'instant je préfère retourner chercher Fluffy, puis je retournerai dans le Nether tranquillement dans un épisode qui sera totalement dédié. En tout cas, c'est plutôt bon signe. On progresse encore une fois énormément du coup dans cette série. Un nouveau bâtiment, notre premier petit poulailler, enfin notre première petite poule dans le poulailler, et le Nether qui est donc maintenant
accessible, ainsi également que notre première récolte de blé. J'ai replanté d'ailleurs du blé, je vous en avais pas parlé, là j'ai fait ça avant de construire le portail du Nether, histoire d'en récupérer davantage et de pouvoir améliorer Fluffy qui actuellement d'ailleurs ne peut pas résister aux flammes. Est-ce une bonne idée de l'emmener dans le Nether? Je ne sais pas, je regarderai vos commentaires par rapport à ça, vous me direz ce que vous en pensez par rapport au blé également. En tout cas, on se retrouve rapidement pour la suite de cette aventure, et d'ici là, eh bien portez-vous bien, ciao tout le monde.